Cette journée internationale des travailleuses et des travailleurs, des manifestations sont organisées dans tous les pays. Eux dans leur caméra. Mais moi, je la situation politique et sociale donne un caractère particulier aux manifestations d'aujourd'hui. Les heures noires de la répression sont revenues, parfois pire qu'au moment de la guerre d'Algérie. Ce sont toujours les mêmes qui sont surveillés, réprimés, matraqués, emprisonnés. Il y a aujourd'hui 73 000 personnes en prison, c'est-à-dire le même nombre ramené à la population d'aujourd'hui qu'en 1943. L'année où la milice fusciste et la Gestapo pourchassaient et emprisonnaient à tour de bras les résistants et les résistants, les combattantes et les combattants de la liberté. Maintenant, avec Macron et Darmanin, l'Alta est notre conscience. Notre pensée et nos actes sont placés sous le poisson des matraques, des uniformes, de la répression, de l'interdiction et de la dissolution des associations. L'intersyndicale du bassin d'Antonin condamne énergiquement le gouvernement Macron Attal qui réprime à tout va en pourchassant ses opposants comme Rima Hassan pour délit d'opinion, sur une interdiction de manifestation ou conférence de soutien à la Palestine, comme dernièrement celle de Jean-Luc Mélenchon. Mais chacun sait que la répression, aussi féroce soit-elle, ne pourra rien empêcher durablement. Les gardes prétoriennes n'ont jamais empêché les empires de s'effondrer. Alors que le président a affiché son soutien inconditionnel au gouvernement israélien, en livrant notamment du matériel militaire, le Conseil des droits de l'ONU a publié un rapport selon lequel les actions d'Israël en Palestine atteignent le seuil pour être considérées comme un génocide. Ça c'est vrai ça. Dans les pires conditions, avant la répression, les peuples se dressent contre leur gouvernement pour exiger le cessez-le-feu et l'arrêt des massacres. À Jérusalem même, devant le Parlement, en Jordanie, à Amman, devant l'ambassade d'Israël, en Irak, à Bagdad. Notre gouvernement, lui, annonce mettre en place une économie de guerre et amplifie son offensive contre les droits et les acquis des travailleurs et des travailleuses. Les négociations collectives sont menées au pacte annoncé. Les demandeuses et demandeurs d'emploi sont particulièrement dans le viseur. En perspective, réduire la durée de l'indemnisation au chômage de plusieurs mois ou augmenter le temps minimal qu'il faudra travailler pour bénéficier du chômage.
Or, sur les 6 millions de chômeuses et chômeurs inscrits à France Travail, il n'y en a que 2,6 millions qui sont indemnisés. Et l'allocation a déjà baissé en moyenne de 17% depuis 2019. Au sein de ces travailleurs et travailleuses précaires, les personnes d'origine étrangère qui ont réussi à passer les barrages de l'accueil dans notre pays, étudiants, étudiantes ou travailleurs, travailleuses, devront désormais, au nom de la préférence nationale, faire face à toujours plus de durcissements de leur légitime accès aux prestations sociales et aux aides au logement. Ce gouvernement prive l'État de financement par des cadeaux aux grandes entreprises et aux privilégiés. Et aujourd'hui, il présente la facture au peuple. Toujours moins de services publics, moins de santé, moins de politique sociale, moins de protection de l'enfance et moins d'école. À plusieurs voix, un texte de la Fédération générale palestinienne des syndicats, de l'Union locale de la bande de Gaza, des extraits de leur texte, texte que vous pouvez trouver sur les réseaux en totalité. Donc je commence. À l'occasion du 1er mai et du 15 mai, journée de la Nakba, la catastrophe pour les Palestiniens, du 15 mai 1948 est la date de la création de l'État d'Israël, de la partition de la Palestine, précédée, accompagnée et suivie de massacres et d'expulsions massives. Merci mieux. Nous, Union locale de la bande de Gaza, de la Fédération générale palestinienne des syndicats, exhortons nos camarades, frères et sœurs du mouvement syndical international à affirmer leur solidarité avec la Palestine en se joignant à nous dans une action collective visant à faire changer le cours des choses. Notre peuple, en particulier celui de la bande de Gaza, subit des crimes inimaginables. Le monde entier est témoin du génocide en cours commis par Israël. Bombardements massifs incessants, famine, déplacements forcés et confiscation des terres. Ces atrocités s'ajoutent à des années de sièges criminels et d'occupations militaires qui ont ravagé notre environnement de travail.